Le fond rouge, quand on peint particulièrement à la peinture à l'huile, c'est une facilité en fait, c'est quelque chose de plus pratique. La raison principale, c'est qu'on gagne énormément de temps en travaillant comme ça, mais non, quand on gagne en temps en peinture, on gagne aussi en efficacité. C'est-à-dire que l'avantage technique est aussi un avantage esthétique. Moi, j'ai opté au fil du temps pour la couleur rouge pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme on le voit derrière moi, ça permet tout de suite de faire exister le tableau. La teinte un peu moyenne du rouge permet d'aller travailler les sombres et les clairs. Donc on a une teinte moyenne. Donc ça, c'est la raison numéro un. Une deuxième raison, c'est que c'est un apprêt au pigment et à l'huile, ce qui fait que la toile n'est plus du tout absorbante. On peut très vite avoir des couches qui sont plus glissantes, la peinture devient un peu plus couvrante. Et ensuite, pourquoi la couleur rouge? La couleur rouge, pour moi, déjà, elle va donner un peu de chaleur à toutes les teintes qu'on va poser dessus. Si on veut travailler dans la chair, on va tout de suite avoir une teinte qui va incarner les formes. Donc il suffit qu'on ait un tout petit peu d'ocre, un tout petit peu de couleur un peu plus claire, et tout de suite on va pouvoir modeler une chair incarnée comme ça. Et moi, il y a une autre raison que j'aime pour laquelle j'aime beaucoup le rouge, c'est que ça va faire ressortir tous les verts.